Devant la maison, notre future maison. Donc je vais rentrer et voir toute l'avancée des travaux. J'ai trop hâte. Et tout. Je sais pas si vous vous souvenez comment c'était avant. De toute façon, je vais essayer de tout vous montrer. Mais ouais. Donc là, je suis dans notre future maison. Je vous ai fait plein de petites vidéos. Il est en train de me chercher des petits plans cuisine pour me montrer. Je suis trop contente. Pareil, continue. Les filles, je vais vous montrer les petits produits Twitch Check que j'ai et que je trouve que. C'est parti, là, G va vous expliquer exactement. Ouais. Donc, alors là, initialement, bah, il y avait un parquet, il y avait un carrelage, pardon. Il y avait un carrelage. Assez moderne. De toute façon, je vous avais montré, je crois, en vidéo. Ouais, on est en train de mettre un beau parquet. Voilà. Donc là, c'est en mode encore travaux. Hein. Ouais, il est sale. Donc la couleur définitive, c'est pas celle-là. Donc là, ça va être notre partie salon, ouais, face piscine. Salon, on change de place, voilà, il sera ici. Donc là, on aura le canapé, face au canapé. Donc là, il n'y aura pas la télé là. Magnifique aussi. Vous allez voir. Ça, on va le laisser, c'est trop beau. On va le refaire un petit peu, mais on va le laisser, c'est magnifique. Donc il y a la piscine. Et comme ça, on sera face au jardin, face à la piscine. Ensuite, là, ça va être la salle à manger. Donc, on va refaire la cheminée. On la laisse parce que c'est trop bien une cheminée. Voilà, là, il va y avoir une grande table. Donc là, vraiment, la salle, la partie salle à manger. Et là, on va avoir la partie cuisine. Donc, celle-là, c'était l'ancienne cuisine. C'est pas celle qu'on va avoir. Mais tiens, chérie. Là, il va y avoir l'îlot, c'est ça? Énorme. Il va y avoir un îlot ici d'un mètre 50 qui va rentrer dans le salon. Voilà. Et ici, ça disparaîtra. Et en fait, on aura un grand plan ici avec une partie. Avec le four, le four tout intégré, la plaque. Voilà. Et un grand rotisseur central ici qui rentre dans la partie salon. Ensuite, là, ça sera donc la partie de mon dressing. Regardez comment elle est grande la pièce avec des spots qu'on va mettre blanc. Tout ça, ça sera le dressing, le mien. Regardez les filles. Il y aura des toilettes donc. J'ai réinvité à peu près. Il y a un accès pour le bas. Vous allez voir en bas. Elles sont trop bien. Elles ont été toutes refaites. Là, pareil, il va y avoir son dressing. Bon, un homme, c'est un dressing plus petit qu'une femme. Hein, voilà. Donc, toujours regarder le parquet. Regardez, c'est trop stylé. Elle n'est pas finie. Hein. Il y a mon chéri là. Je vais visiter. Donc, regardez comment il est trop stylé ce miroir. J'aime trop. Et cette salle de bain, elle est trop belle. Bon, c'est pas fini. Donc, il va y avoir des spots. Tu vas changer le tour des fenêtres et tout. Mais regardez comment elle va être trop belle, cette baignoire. Magnifique. On va changer le tapis, on va mettre la déco et tout. Mais elle est trop belle, avec un radiateur. Franchement, ça va être un espace pour moi de kiff. Ça va être notre future chambre. Donc, c'est pas fini. Il va y avoir de la déco. Là, il veut mettre des choses en bois, miroir. Enfin, voilà. Donc là, c'est en attendant. Regardez, on va être trop bien face à la vue. Et là, on aura aussi une autre salle de bain. Regardez comment elle est belle. Donc, ça a été refait, regardez. On aura un WC. Ça, là. Ouais, c'est beau. C'est trop beau. Voilà. Là, ça sera la future chambre de la princesse. Elle est grave grande. J'aime trop. C'est trop beau. Donc là, regardez. Cette partie-là, je pense qu'elle va être la plus ouf, donc je vous la montre. En fait, ça va être carrément un appartement. Donc là, il y a les portes pour chez nous, mais ça va être un appartement. Donc là, il va y avoir Maïwenn, avoir son appart. Donc, je vous montrerai le après, parce que ça va être vraiment ouf. Là, c'est une cave, hein. C'est un garage, hein. Mais après, vous verrez. Donc c'est parti, je vais vous montrer en fait ma petite... Là c'est parti les filles, j'ai rendez-vous dans mon salon donc, ça va me faire trop du bien, c'est ma copine. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. Donc trop bien. Waouh. Voilà, donc regardez là, je vous montre bien le avant.
et je suis trop contente, j'ai retrouvé ma copie. Je suis trop contente parce que celui-là ne me l'a pas rattrapé. Donc voilà, rendez-vous terminé. J'aime trop mes ongles. Donc elle m'a fait un baby boomer. Elle a bien rattrapé, comme vous avez vu, j'avais une catastrophe aux ongles. Au pied aussi, on a changé, on a cliné. Et voilà, et là je rentre, je vais manger un bout, puis à G. Qui vient me récupérer après parce que j'ai rendez-vous chez mon gynécologue, mais le gynéco qui me fera l'accouchement et tout, donc je suis trop contente. Je vais lui ramener tout mon dossier aussi de Dubaï, tous mes résultats et tout, et puis on va refaire un point sur moi avec le gynéco. Bon, après les ongles faits, là ça y est, regardez comment il est beau, hein. On va au chantier comme ça, hein. J'ai allé le surveiller moi dans les chantiers. Il est trop beau, regardez. Si, t'es trop beau. Il faut bien que je sois à ton niveau, non? Non, arrête. Tu vas au chantier comme ça, là. Bon, là, on va chez le gynéco. Voilà. Donc, on va voir la suite. Si vous me donnez une liste aussi de naissance ou pas, je sais pas. Donc aujourd'hui on a rendez-vous en tout cas chez le gynéco où je suis censée, enfin c'est où je vais accoucher. Donc j'en saurai un peu plus. Bon, après le rendez-vous gynéco, petit goûter. Voilà. Et quand même, on est en terrasse, en plein soleil. Franchement il fait bon. Ça va, chérie. Franchement ça va. Mais le goûter, voilà, aujourd'hui, c'était clair. Figure-toi ma belle, l'as-tu vu? Moi j'accouche pas dans une superbe clinique comme tu dis, pas du tout. J'ai choisi d'accoucher dans un hôpital public où les enfants de mon chéri ont accouché. Voilà, enfin son nez plutôt, parce qu'on va accoucher, non mais son nez, comme ça, ça fera une lignée de tous ces enfants nés dans le même hôpital. Parfait, avec un gynéco qui est apparemment hyper bien réputé. Et donc, enfin, voilà, donc, non, hôpital public. Je vais vous reparler après de l'hôpital où j'accouche et du gynéco qui est trop trop bien. Tiens, regarde maman, il a pensé à toi, ton jambe. Il est parti prendre un petit éclair au chocolat. Ben, voilà, du gynéco et tout, et je vous parlerai de ça. Bon, petit bilan du rendez-vous que j'ai eu, donc qui s'est hyper bien passé. Donc je suis trop contente, j'ai vu mon gynéco qui est trop bien. Je vous parlerai de lui et de l'hôpital où j'accouche plus tard. En tout cas, franchement, c'est trop bien. Ils font un accompagnement de dingue. Je suis trop contente, j'ai eu mon livret d'accueil pour la maternité. Du coup, j'ai ma liste à l'intérieur, comme vous me disiez. Je vais vous la mettre en photo pour celles qui veulent. J'ai eu quoi d'autre, enfin, j'ai eu plein de renseignements. Et j'ai eu aussi des petits cadeaux aujourd'hui, donc donnés par l'hôpital. Donc, je sais pas du tout ce qu'il y a, mais je trouvais ça trop chou. Plein de petits cadeaux. Donc, la méthode Mère Nature, donc un petit livre. Viesco, je ne connais pas. Livraison offerte avec le code, un code promo pour des trucs de bébé. J'ai eu un liquide vaisselle hypoallergénique, donc c'est cool. J'ai eu une petite compote, voilà, mais ça va être pour moi parce que j'ai 6 mois, donc clairement je vais me prendre. Comme ça je vais goûter, en plus j'ai toujours voulu goûter un petit peu les compotes de bébé. J'ai eu, je crois à mon avis c'est une éponge, marrant comme cadeau quand même. Ah non, c'est une couche, une éponge, c'est une couche, c'est tout petit. Voilà, une petite couche. Et une grosse serviette hygiénique. Et des pourcentages pour une marque de couche. Voilà, c'est cool. Mais voilà. Mais je trouve ça mignon, quoi. Ils vont faire plein de petits trucs, donc c'est cool. Il y a un petit sac assez sympa, voilà, pour mettre tout dedans. Je vais mettre tous mes rendez-vous. Sinon, pour ma fille, aujourd'hui, c'est trop marrant ce qu'il m'expliquait. On a vu à l'écho, parce qu'on a fait une écho. Donc déjà, elle a le dos qui est là. Donc elle nous tourne clairement le dos, elle a toujours la tête vers le bas, elle fait 1,8 kg, donc voilà, on est passé d'un kilo 5 à 1,8 kg, donc c'est pas mal. Hein.
Quoi d'autre? Ah oui, et trop marrant. En fait, elle a le cordon, donc il y a le cordon ombilical et on voyait clairement en plus sur l'écho que ma fille est en train de jouer avec le cordon ombilical. Donc en fait, il disait que c'était fréquent pour les bébés, comme si c'était un jouet. Donc là, il y a le cordon. C'est vrai. Il y a le cordon ombilical et en fait, sa main, elle fait comme ça avec sa main. Voilà. Elle était en train de jouer comme ça avec le cordon ombilical. Elle appuie sur le cordon. Elle l'a enroulé dans sa main. Enfin voilà, donc apparemment c'est assez fréquent, c'est comme pour eux un jouet dans le ventre et donc je trouvais ça trop mignon. On n'a pas pu voir sa tête parce que du coup elle se cachait, on avait son profil et tout, mais voilà, 1,8 kg et tout va bien.